Salut à toutes et à tous, c'est Jake au micro, vous êtes dans Un Décaféiné, et pour cette semaine, quelque chose d'un peu spécial. Donc, comme le nom l'indique sur l'écran, on va jouer à Lava Pulse, ça sera un seul épisode, je vais vous présenter ce jeu indépendant que j'ai découvert sur des conventions, donc au TGS, à la PAX, etc., qui sont là depuis maintenant 2 ans. Et c'est un jeu en développement, donc. Casse-tête, mais casse-tête comme je l'adore. Donc on va faire quelques niveaux ensemble. Histoire 2. Voilà, donc le premier niveau, on va dire plutôt simple, bien sûr. Nous contrôlons Krusty, c'est un crabe dont le fils, a été enlevé par cette espèce de poulpe de l'espace. Le but est de collecter 25 gemmes vertes pour pouvoir ouvrir la porte. Bien sûr, je commence mal. Pour pouvoir ouvrir la porte, donc. Et quand on meurt, il y a une partie de nos gemmes qui peuvent être de nouveau récoltées, comme vous pouvez le voir ici, là, voilà. Donc on va essayer de pas trop mourir quand même. Donc on a des pièges, on a des chauves-souris qui nous attaquent, qui sont donc nos obstacles. La musique est plutôt cool. Bah bon, ça vous connaissez, moi et la musique ça fait 1. Hop là, tac, tac. Donc je vais faire un rush de plusieurs tries sur plusieurs niveaux. Et à la fin, je vous mettrai le meilleur de mes fails ou de mes réussites, on verra. Nous verrons bien. Donc c'est un jeu qui n'est pas encore accessible au public, sauf en convention, on peut le tester. Je n'ai marre de mourir. Et voilà. Je vous mettrai le lien, bien sûr, des développeurs, des éditeurs sur la vidéo. Et n'hésitez pas à leur écrire pour voir comment ils évoluent, comment ils avancent. On va essayer d'avoir une trentième gemme quand même, voilà. Hop là, on passe le portail. Niveau suivant. Histoire 2, voilà. Donc, ils ont été gentils, ces développeurs. Quand on a discuté, donc, lors du dernier TGS, discuter longuement quand même. Ils ont été sympas, ils m'ont dit qu'ils m'enverraient une clé pour pouvoir faire justement une vidéo pour présenter leur travail. Et ils l'ont fait. Et ça, c'est super cool de leur part. Et moi, je suis pas cool du tout parce que je meurs comme un sale crabe. Mouillé. Brûlé plutôt. Écrasé. Bouffé par une chauve-souris. Hop là. Et le piège qui va s'enclencher dans pas longtemps, c'est toutes les 5 gemmes, je crois. Quelque chose comme ça. Hop là. Waouh. C'est un jeu vraiment casse-tête, casse-burne, j'ai envie de dire, mais il est vraiment prenant. Pour ceux qui ont le sens du challenge, pour ceux qui ont le sens du défi, vous ne pouvez qu'aimer ce jeu, c'est pas possible autrement. J'ai déjà passé quelques heures dessus. C'est... Bon là je meurs comme un débile. Il est vraiment génial, clairement. Et il me tarde qu'il sorte officiellement, avec une vraie date de sortie. Je pense d'ici la fin de l'année, enfin, du moins je l'espère pour eux. Car il est vraiment réussi. Il y a encore quelques petits bugs, mais c'est pas bien méchant. Peut-être aussi les graphismes à revoir, bien que là, moi, je les trouve vraiment très appréciables. Ils ont bien géré le design des chauves-souris, qui est une chauve-souris qui c'est quand même relativement difficile à dessiner. Et là, on ne voit que les chauves-souris de dos, du coup, on ne voit pas leur visage. Du coup, bah, c'est du boulot en moins pour eux, et ça, c'est vraiment bien réfléchi. Voilà. Hop. 16. 16. On va essayer d'avoir les 25 de ce niveau quand même. Sauf si je me fais bouffer par une chauve-souris. Et voilà. Vous connaissez le mec qui meurt débilement? Ben, c'est moi, quoi qu'il arrive. Hop, 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 hop. Tac, tac. Tac. On va y aller soft pour si on est à 14, on va y aller tranquillement. Voilà. Ah là par contre ça va être un peu plus chiant puisqu'on va se taper tout ça là. Hop
là, 20, 21, merde il est retour, wow, j'avais pas vu, il fait demi-tour. Forcément, les deux autres sont là-bas. 23, 24 et 25. Et 26 même, pardon, je sais pas compter. Niveau suivant. Alors là, on a une sauvegarde de gemme. Hop là. Une. Deux. La carte est très grande. La musique fait un peu peur, mais la pression. Ça saute un peu. Ouah, dommage. Pas facile. Voilà. Ce que je vais vous proposer, c'est de mettre les meilleurs de mes trails juste en suivant.
Voilà pour ce petit try. Et là, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Qu'il y a eu beaucoup de fails. Donc le jeu est encore en dev, comme vous pouvez le voir à l'instant, car nous n'avons plus de musique. Là, nous sommes sur les niveaux encore en cours de développement. La musique n'est pas présente. Et on espère que ça arrivera bien vite. Chose qui me semble arrivera bien vite. Donc voilà, donc c'est un jeu développé par Four Edge Games, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui a été greenlighté sur Steam. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le greenlight sur Steam, ce sont des jeux soumis au vote de la communauté pour dire si oui ou non ils veulent y jouer. Donc si oui ou non, le jeu sera mis en avant sur Steam ou pas. C'est le cas ici, il a été greenlighté. Donc Steam, la communauté Steam l'attend avec impatience. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire de plus. Donc suivez les avancées de ce développement sur leur site, sur 4Edge. Vous trouverez ça facilement sur Google. Même en temps pas Lava Pulse. Alors je rappelle, nous jouons à Lava Pulse. Ils sont souvent en convention, notamment sur le TGS, Toulouse Game Show, sur le stand la zone indé, les jeux indépendants. En espérant que cette petite vidéo vous a plu, suivez aussi Vincent Studio un petit peu partout où est-ce que vous pouvez le faire. En général, c'est pas bien compliqué pour nous trouver. Et je vous dis à très vite pour un prochain indé caféiné sur ce dernier try qui va finir dans. Ah non, je l'ai esquivé. Bon. Aïe aïe aïe. Alors, est-ce qu'on va finir ou pas? On va essayer. Allez, c'est bon, on s'arrête là. À la semaine prochaine avec un nouveau jeu sur Irrestone Studio. Ciao.